Regardez, un magnifique parterre d'une petite plante qu'on va pouvoir mettre dans la salade, par exemple, à manger crue, mais aussi cuite. Elle a une forme en fer de lance, on dit une feuille astée. Elle pousse en tapis, souvent dans des sols un peu sableux, pauvres, acidulés. Enfin, acide, je veux dire. C'est la plante qui est acidulée. Vous pouvez la mettre dans une salade, dans une sauce. Vous pouvez aussi la faire en velouté. C'est la petite oseille. Voilà, Rumex acetosella. La grande oseille ressemble un petit peu, mais à des feuilles beaucoup plus grandes. Et la petite différence, c'est que les lobes de la grande oseille vont être pointus et vers le bas, alors que là, ils sont un peu plus arrondis et vers le haut. C'est quand même mieux de bien les nettoyer à l'eau en passant bien dessus avant de les manger. Et pour info, que ce soit l'oseille cultivée ou l'oseille sauvage, la petite et la grande, elles contiennent de l'acide oxalique. Donc, si vous avez des problèmes de reins ou des problèmes graves, importants, on va dire ostéo-articulaire, arthrite, arthrose, il faut éviter de la manger. Et si vous n'avez pas de problème, en petite quantité.